Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour cette semaine qui arrive. Donc ce sera du lundi 24 au vendredi 28 octobre, dernière semaine du mois d'octobre déjà. C'est fou comme les mois passent à une allure. On est presque d'ailleurs au sabbat de Samhain, Halloween du coup. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, le chapeau magique. En deuxième, le petit chat noir, fidèle au poste. Et en troisième, bon, Halloween oblige et ça fait longtemps, j'ai sorti ma petite araignée. Voilà, la petite araignée noire. Pour les jeux qu'on va utiliser comme d'habitude, l'oracle des secrets, l'oracle Ro, le Magic Luna. Et pour le tarot, j'ai sorti le Dark Mansion Tarot. Que j'aime d'amour, hein, de Taroteca Studio, connu, hein, qui est très connu d'ailleurs. Voilà. Donc ici, c'est dans sa version normale, la petite version. Voilà, c'est vrai que si j'enlève pas la carte de présentation, je vais encore la mélanger avec aussi. Voilà pour le tarot. Sinon, bah, j'espère que vous allez tous bien. Ici, on entame les congés scolaires pour l'école et je vous avoue que ça va faire du bien parce que les enfants deviennent... J'entends partout que tout le monde devient fatigué, le train-train, la routine. Je crois que c'est la baisse de luminosité qui fait que... Voilà. Et du coup, ben, on est vraiment content d'arriver aux vacances. Je sais qu'en France, on n'est pas... je ne sais pas quand vous êtes en vacances, vous, en France. Si vous êtes en vacances deux semaines ou une semaine, comme ils ont tout changé en Belgique, je ne sais plus du tout. Et sinon, bah, il fait toujours bon. C'est incroyable pour une fin octobre. On a encore 20 degrés. C'est complètement fou. Franchement, nous, on s'en est sorti pour le moment. On a juste allumé un petit peu le poêle au bois 2-3 jours et... Et pour le moment, on n'a même pas encore allumé le chauffage. Et je vous avoue qu'on ne va vraiment pas se plaindre. Ah, le petit oracle des secrets qui est bavard, il nous a déjà fait valser une carte. C'est toujours pour le chapeau. Hein. Enfin, vous allez me dire après, quand je fais les autres tâches, je ne les mélange pas. Donc, ils auraient du mal à sauter. C'est vrai. C'est maintenant que ça me vient, une illumination, que je me dis, c'est vrai que les autres, je ne les mélange pas. Vu que je fais glisser et je pioche après. Donc, c'est logique que ce soit toujours pour le chapeau. Là, j'ai fait un peu la blonde, j'avoue. Voilà, voilà. Ah, bah décidément. Ah, la carte de l'automne. On est en plein dedans. Ça pouvait pas mieux tomber. D'ailleurs, vous avez vu, je vous ai fait ma petite déco d'automne. Pour la vidéo avec mon petit fantôme. Ici, j'en ai trois, en fait, comme ça. Je les trouve trop mignons. Alors, bah, ah oui, non, c'est vrai, elle a sauté. Elle a sauté. Je suis distraite, c'est pas possible. Le Magic Luna. Tatin. J'adore ce petit jeu aussi. Bon, c'est pas spécialement automne, c'est vrai. Hop. Et hop, et on va finir. Avec une petite carte du Dark Mansion. J'attends avec impatience, il ne devrait pas tarder, celui qui vient de sortir sur les légendes slaves. On a précommandé avant les grandes vacances, je crois. C'était en juin, je crois, qu'on l'avait précommandé. J'ai trop hâte, celui-là, de le voir. Parce que franchement, les illustrations ont l'air magnifiques. Vraiment magnifiques. Sur les légendes slaves, évidemment. Bon, bah, vous voyez que c'est dingue, hein. Bon, bah, je vais la mettre là, du coup. C'est que ça doit être comme ça, mais en même temps, je suis distraite. Je me trompe de paquet, c'est déjà deux fois. Voilà, bah, du coup, on va commencer avec ceux qui ont choisi le chapeau. Avec la fameuse carte, j'avais vu, de la justice qui avait sauté. Elle était déjà une chambre venue, celle-là. Je me demande si c'était pas pour le chapeau. Soit, elle était déjà sortie. Donc, la balance, l'équilibre, la justice, l'harmonie, trésor, richesse, préciosité, adoration. Peut-être ici qu'on nous dirait la semaine prochaine qu'il faudrait peut-être
garder un certain équilibre peut-être dans les finances, peut-être essayer de faire des petites économies là où on peut en faire, essayer de trouver une certaine harmonie avec ses finances, surtout dans ce moment, de nos jours, je vais y arriver. Je n'arrivais pas à dire ce que je voulais de nos jours où tout augmente, c'est terrible. Quand on fait des courses, le caddie, enfin, le montant a largement augmenté. Quand on met de l'essence, c'est la même chose. Enfin, pour se chauffer, l'électricité, c'est la même chose. Donc peut-être essayer de trouver un équilibre, peut-être essayer de limiter certaines dépenses pour en privilégier d'autres. On a vraiment l'idée, de garder une harmonie, un certain équilibre avec la balance de la justice par rapport, du coup, à tout ce qui toucherait à l'argent. On va voir. Oui, du coup, ici, on avait l'automne. L'automne qui, pour moi, parle aussi de lâcher prise. Et puis, on est en plein dedans aussi, hein, l'automne. Peut-être qu'on vous dit, justement, c'est un peu comme les arbres qui perdent leurs feuilles, hein, on vous dit peut-être... de lâcher certaines choses, peut-être pour faire des économies. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas besoin et peut-être essayer de les réduire pour essayer de garder, entre guillemets, l'équilibre, hein, pour pas plonger dans des dettes ou des crédits ou des choses que vous ne savez pas payer. Peut-être qu'il y a moyen, justement, de lâcher prise sur certaines choses. Peut-être des petites choses que vous n'avez pas besoin ou des petites économies, je ne sais pas, moi, comme baisser le thermostat d'un degré. Enfin, des petites choses qui, ça, plus ça, font que on fait des petites économies ou faire la chasse aux promos dans les magasins, les bons plans, les choses comme ça. C'est plutôt comme ça que je le verrais, moi. Ici, on a l'intuition. Peut-être suivre votre intuition, justement. Peut-être que vous savez très bien au fond de vous, ce que vous avez besoin, ce que vous n'avez pas besoin. Donc peut-être écouter cette petite voix au fond de vous. Par exemple, quand vous faites un achat, c'est la petite voix qui vous dit non, t'as vraiment pas besoin de ça. Sérieusement, parfois on a envie d'acheter sur un coup de tête, hein, et après on réfléchit, on se dit mais non, au final je vais l'acheter parce que c'est beau et je vais jamais l'employer. Essayez peut-être de plus écouter votre intuition, justement. Par rapport à tout ce qui serait argent, etc., pour justement essayer de garder cet équilibre qui est assez dur à garder de nos jours. Et ici, on a le roi de Pentacle, il en jette hein, quand même. En plus des Pentacles avec le matériel, donc ça va bien avec le reste. Il est beau ce roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il est vraiment sûr de lui là. Et ça nous dit, c'est celui qui possède et qui fait fructifier, qui maîtrise son budget aussi en même temps. Donc c'est peut-être ça. Peut-être justement que vous allez faire attention, comme je viens de vous dire, avec des promos, de peut-être lâcher prise sur des choses qui ne sont pas nécessaires, etc. Et vous allez peut-être comme ça arriver à garder un certain équilibre et à réussir à faire fructifier vos finances. En tout cas. Avec le roi de Pentacle, normalement, vous devriez bien y arriver. J'aime trop ça, son visage, celui-ci. Voilà. Voilà, pour ceux qui ont choisi le chapeau, on était plus dans des énergies financières. On va passer à ceux qui ont choisi le chat noir. Là, il n'y avait rien qui avait sauté. L'arbre avec la jeune femme qui était déjà sortie pour le week-end, pour le chat aussi, je crois. L'arbre avec l'héritage, la génération, l'origine et la jeune fille avec soit une jeune fille, vitalité, dynamisme. Ici, j'aurais envie de dire que tout ce qui... Enfin, moi, je vous dis toujours que l'arbre, pour moi, c'est plus la santé. Ici, on aurait tendance à dire que votre santé va très bien. Vous êtes peut-être plein de dynamisme, de vitalité. C'est bien, en tout cas, en cette période, parce qu'en général, c'est l'inverse. Peut-être que vous avez fait une cure de vitamines ou je ne sais pas quoi. Et du coup, vous êtes en pleine forme. Et ici, on a l'héritage. Non, moi, je verrais vraiment plutôt ici comme la santé et que vous pétez la forme, je dirais. Ici, les mésanges. Les mésanges qui ont... Peut-être qu'on va vous apporter un message aussi, pourquoi pas. Parce que moi, les oiseaux, je les vois plus comme
un message qui arrive. Peut-être qu'on va vous apporter un message par rapport, ça peut être par rapport à votre famille, à vos racines de là où vous venez, ou à propos de votre santé. Et c'est quelque chose qui va vous donner du dynamisme, de la vitalité. Donc, je dirais, j'en déduirais que ce serait un bon message qui vous mettrait de bonne humeur, etc. Voilà. Du coup, ou alors, vous allez recevoir le message d'une jeune femme qui serait de votre famille. Voilà, ça pourrait également. Le Magic Luna, trahison. Et ici, on voit, il enlève son masque. Donc, peut-être, malheureusement, ce sera peut-être un message que vous allez peut-être vous prendre pour une trahison. Peut-être que vous allez, donc du coup, je verrais peut-être plutôt un message, plutôt peut-être par rapport à une fille, une jeune fille qui vous sera transmis, peut-être quelqu'un de votre famille du coup, et vous allez vraiment prendre le message qu'on va vous transmettre comme une trahison. Vous allez vraiment voir ça d'un mauvais œil et vous allez vraiment avoir l'impression d'être trahi du coup. Oui, décidément, pourtant il est mélangé. Ici, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, il maîtrise son mental. Hein, donc, je pense que vous allez réussir sans problème à passer au-dessus de cette trahison. Hein. Il a aussi un de ses visages. Il ordonne, il impose. C'est quelqu'un d'autoritaire aussi qui remet les choses en place. C'est lui aussi qui dit quoi faire. Donc, peut-être que vous allez, soit c'est vous qui allez remettre de l'ordre par rapport à une trahison, vous allez dire et vous allez peut-être remettre de l'ordre par rapport à tout ça. Ça, vous allez peut-être franchement pas avoir de soucis pour gérer cette trahison. Je le verrai plutôt comme ça, moi. Vous allez vraiment avoir l'énergie du roi d'épée et vous n'allez pas avoir de soucis pour gérer cette trahison. Peut-être que vous allez, comme lui, il a son épée, hein, vous allez peut-être couper les liens ou vous allez peut-être couper court avec cette personne par rapport à cette trahison. Ça peut être au boulot, ça peut être à la maison. C'est comique qu'on a deux rois alors qu'il est mélangé. Hein. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi l'araignée. Est-ce qu'il y en a qui auront choisi l'araignée? Comme je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas les araignées. On a l'œil et le soleil. L'œil avec la précaution, la vigilance et l'observation, le soleil, la réussite, l'énergie, le succès. Bon, c'est une bonne carte. Hein. J'ai envie de dire, peut-être que vous avez pris des précautions, vous avez peut-être été vigilant dans les semaines à venir et ça va peut-être porter ses fruits. Ça va peut-être vous apporter justement le succès. Hein. Le soleil, c'est une des meilleures cartes. Hein. Donc, ça va peut-être vous apporter... la réussite, peut-être que, comme on dit, hein, le fruit de vos efforts va peut-être enfin payer. On va voir ce que nous dit l'euro. La graine, ben, ça va bien avec le reste. Peut-être que vous avez justement mis des choses en place. Vous avez peut-être fait germer des idées, des choses comme ça, des projets. Vous avez peut-être mis en place des projets, mais peut-être que vous avez gardé ça secret parce que justement, vous avez pris vos précautions. Vous avez voulu mettre un temps d'observation. D'abord, voir si ça fonctionnait avant de le lancer. Et bah ici, on aurait l'impression de dire que vous êtes sur la voie de la réussite et du succès. Donc, ce que vous avez mis en place comme nouvelle chose, c'est vous êtes vraiment sur le bon chemin. Voilà. Ici, on a la personne jeune. Donc, moi, je verrais peut-être plutôt, au lieu d'une personne jeune, que ce serait plutôt un projet, une idée, quelque chose de jeune, avec l'esprit, justement, de quelque chose de neuf, peut-être de... qui vient d'éclore, un projet qui n'est peut-être pas encore tout à fait abouti, mais en tout cas qui est sur la voie de la réussite. Voilà. Et ici, on a le monde. C'est aussi une bonne carte. Hein. C'est la carte de l'accomplissement aussi. Donc, ça va bien avec celle du soleil, j'ai envie de dire. Peut-être que tout ce que vous avez mis en place en le gardant secret pour vous, en le faisant avec précaution, vous avez peut-être beaucoup réfléchi avant de lancer... un projet, une idée, quelque chose comme ça, les nouvelles choses que vous avez mis en route en tout cas, même si ce sont encore des projets qui sont peut-être au stade plutôt, pas au tout début, mais plutôt au stade un petit peu comme les ados, hein,
un stade qui n'est pas encore tout à fait arrivé à l'aboutissement. Voilà. En tout cas, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Vous êtes sur la voie de l'accomplissement, du succès. Donc, à mon avis, foncez, continuez. Vous êtes vraiment sur le bon chemin. Voilà pour ceux qui avaient choisi l'araignée. Ma foi, ce ne sont pas de trop mauvaises énergies pour la semaine qui arrive. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir de discuter de tout ça avec vous dans les commentaires, hein, comme d'habitude. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà une très belle semaine et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!